Alors, c'est un titre qui s'est imposé en fait un petit peu plus tard, après avoir pensé pendant très longtemps en fait l'intituler La Grosse Gisèle. C'était vraiment le titre auquel je tenais. Parce qu'à l'origine de ce titre, il y avait un souvenir qui était en fait un peu fondateur pour moi, il y a très 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 longtemps, quand j'étais toute petite à l'école primaire. Il y avait une petite fille qu'on appelait Gisèle. Et les enfants sont assez cruels entre eux, hein, et on l'appelait la grosse Gisèle parce qu'elle avait un physique différent de nous, parce qu'elle était plus pauvre que nous. Et un jour, le bruit a couru qu'elle avait volé quelque chose. Et c'est cet acte transgressif, en fait, qui m'est resté comme ça en mémoire pendant presque un demi-siècle. Alors, ça voulait dire certainement quelque chose. L'envoleuse, c'est vraiment un autre aspect de la grande Gisèle, mais de la grosse Gisèle, mais c'est la même chose. J'allais dire la grande parce qu'en effet, c'est un peu la figure triomphante du livre. Et donc c'est le point de départ en fait de mon premier chapitre. Et ensuite, les personnages, ce sont des représentations, enfin un peu symboliques de tout ce qu'on peut être par moment nous dans notre vie, c'est-à-dire des gens parfois trop encombrés de mots pour parler, des gens trop encombrés de vie, de rien, par la honte, des gens encombrés d'amour et qui peuvent finalement qui n'arrivent pas à aimer, qui n'arrivent pas à s'envoler. Et en fait, ce qui m'intéressait dans l'écriture, c'était à partir enfin, de ce point de départ-là, c'était de faire rencontrer en fait l'espace social et une narration intérieure, notre narration intérieure. Alors l'espace social dans le livre, c'est l'école avec sa cour de récréation, c'est la rue avec son square, c'est la famille avec sa chambre, avec la cave. Et il y avait cette rencontre comme ça qui est toujours assez fulgurante, étonnante et puis détonnante aussi, entre cet espace et ce temps, enfin la narration intime qui se déploie, elle se déploie de manière parfois fulgurante, elle se déploie de façon raisonnable et surtout fantasmatique. Donc en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler sur le fantasme, c'est comment on recrée finalement sa vie, voilà, en fonction des autres, en fonction de ce qu'on croit, en fonction de ce qu'on imagine. Et donc il y a en fait dans le livre des histoires d'amour qui se croisent. C'est l'amour de la narratrice, par exemple, pour cette Gisèle, qui représente beaucoup, qui représente toutes les femmes, celles qui savent s'affranchir, être libres. L'amour qu'elle a aussi pour un petit garçon qui plus tard deviendra son amant. Cet amant-là qui est aussi amoureux de Gisèle, parce que lui est incapable de s'élever, de s'envoler aussi. Et puis un amour aussi d'une autre petite fille qui est comme ça, toute comme une poupée de son attachée au pas d'une très jolie princesse, d'une jolie fille de sa classe qui s'appelle Lucie et qui est légère, qui est un peu très éthérée comme ça, un peu capricieuse. Et donc c'est ça qui m'intéressait, de travailler sur le fantasme, sur cette narration qui se déploie à l'intérieur de nous et qui fait qu'on a une perception comme ça très 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 personnelle de ce qui se passe autour de nous. Et puis finalement cette grosse Gisèle ou cette grande Gisèle, c'est un peu donc cette figure triomphante et qui représente en fait vers quoi on tend tous. Ce qu'on dirait un peu en psychanalyse, hein, être l'auteur de sa propre vie pleinement, en pleine conscience. Voilà, c'est ce que j'ai voulu essayer de traduire par l'écriture et aussi en observant que très souvent, cette narration qui se déploie à l'intérieur de nous, cette narration intime, elle va souvent partir de petites choses comme ça, très très simples. Ça peut être une clé qu'on tient dans la main, ça peut être un dessin sur le mur. Un petit caillou tout gris ou bien un petit personnage en plastique. Enfin voilà, il y a des objets comme ça qui vont faire ressurgir de la pensée, des souvenirs qu'on va retricoter. Voilà, c'est ça qui m'intéressait de traduire et par l'écriture et par le fil conducteur un peu de ce petit livre, hein, parce que c'est un livre assez court, qui est un premier roman, mais dont la gestation a été assez longue.